reflet d'image. L'image qui impacte. Nous impactons par l'image. Votre présence m'offre l'occasion de vous renouveler mes sincères félicitations pour la grande confiance, une fois encore placée en vous, par son Excellence M. Faure Sosminé Nyasingbé, président de la République, dans cette phase historique et charnière de la vie de notre nation, à la fois tournée sur le passé et l'avenir radieux. Votre nomination à la tête du gouvernement est une reconnaissance de votre compétence et humilité, de votre engagement et disponibilité, ainsi que de votre dévouement et simplicité, au service, bien entendu, des valeureuses populations que vous aimez. Madame le Premier ministre, vous êtes tenue, avant d'entrer en fonction, de présenter à l'Assemblée nationale le programme d'action du gouvernement. C'est dans ce sens que sur le fondement, nous insistons là-dessus, sur le fondement des dispositions pertinentes, des articles 95 et suivants de la loi numéro 2024-005 du 6 mai 2024 portant Constitution de la République togolaise, le président de la République, par lettre en date du 21 août 2024, a demandé au président de l'Assemblée nationale que nous sommes de bien vouloir procéder à la convocation le vendredi 23 août 2024 d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour la présentation devant notre auguste Assemblée nationale de la déclaration de politique générale du gouvernement. Je tiens donc à rendre un hommage mérité à son Excellence, M. Faure Sosminé Nyasingbé, président de la République, garant de la continuité de l'État et du bon fonctionnement des institutions de la République, qui veille avec savante sagesse à l'enracinement de notre démocratie dans le strict respect de nos valeurs, règles et coutumes républicaines. Je ne doute pas un seul instant que vous serez à la hauteur des aspirations profondes de nos populations qui, vous en êtes conscientes, attendent avec impatience des réponses rapides à leurs préoccupations. Je voudrais vous assurer que la représentation nationale, tout en restant dans une posture lui permettant de jouer sans complaisance, son rôle régalien de contrôle de l'action du gouvernement vous accompagnera dans la mise en œuvre de votre politique générale du gouvernement dans un esprit patriotique. Cependant, ne vous méprenez pas. Conformément à leur mission, les élus du peuple seront bien regardants sur toutes les actions et tous les projets de votre gouvernement dont dépendent le bien-être individuel et collectif de nos concitoyens, la stabilité politique et le développement économique et social de notre pays.